réunion à 8h45. Adoption de l'ordre du jour. Madame Simard. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Modification, j'ai une modification. J'aimerais ajouter item 6.3, comité consultatif du Parc du Moulin. Autre chose? Secondaire, M. Grimard, tout le monde en faveur? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune? Merci. Délégation et présentation. Présentation pour M. John Smith de Service Incorporé au sujet de la stratégie de gestion des déchets solides. Mr. John Smith. Oh, bonjour, Monsieur John Smith. Chers conseillers, conseillères, Monsieur le maire, we have Mr. John Smith from EXP with us tonight to present the final recommendation of the solid waste management study following the open house that we held in January. So I will hand over the floor to Mr. Smith. I'll say that again then. Good evening, Mr. Smith. The one and only. Well, thank you very much for having me here tonight. I'm just going to give you a brief overview of the process that we've taken to now and the recommendations that have come out of the waste management strategy process. So let's first see if this technology works like it's supposed to. And it does. Excellent. Okay, so why did we embark on a strategy? Why do municipalities complete a strategy? Well, first of all, the Ministry of Environment definitely sees a waste management plan as a critical opportunity for municipalities to develop a long-term plan for their waste. Just as municipalities will embark on an official plan in order to assess how the city should grow, the waste management plan allows the city to plan the process of how to manage the waste in order to meet the community's needs. And one of the first steps in the planning process, of course, is to develop a goal. And the goal in this particular plan is to develop a long-term solid waste management strategy that is financially, environmentally, and socially sustainable and meets the needs of future waste management in the city. So the planning process to date is, first, we assessed the city's current waste management system, identified gaps for improvement, and then based on where those improvements were needed, we did a search across North America and identified possible waste management initiatives and programs that could be used to fill those gaps and meet the needs of the city. So we took that long list and did a screening and shortened it down to a short list, which was then presented at an open house in January, as Denny mentioned. Based on the comments we received back from that open house, we did further research on the short list of options and finally prepared a plan and an implementation schedule to meet the needs of the city to manage its waste into the future. One slide behind. So as I mentioned, we looked at the city's current system, and as you probably know, the city manages approximately 10,000 tons of waste and has a diversion rate of approximately 31% overall, or 34% if you're just looking at the residential sector. So there's definitely room for improvement, as most municipalities in Eastern, Central, Southern Ontario are well into the 40 to 55%
diversion rate range. So there is some improvement that can be made. So as I mentioned, we came up with a long list of materials, initiatives, 31 in particular. We screened that down to a short list of 22. And then we applied scoring criteria to those options. And that criteria consisted of financial, economic, social, the track record of the program, and how difficult would it be for the city of Rockland to actually implement that program. So based on that criteria, we came down to a short list of options that are recommended for implementation. And I'll just quickly go through those options, which is basically about 8 options. So one of the programs that were evaluated shortlisted was to assess automated or semi-automated collection. And this basically is using supplying the residents with carts, and then an automated truck, meaning a truck with a lifting mechanism, will go around and collect the carts. And this would be for recycling and for garbage. This kind of system is the wave of the future in Canada. However, it's been used in the States for decades. This is basically how they mandatory collection for garbage in many cities in the States. And the thing about this type of system is not only is it more efficient, but there's definite cost savings that can be had. The next program that was shortlisted was a ban on materials from landfill. There is a number of materials in your bylaw already that are banned from being disposed. However, items such as blue box material is not. So placing a ban on items like that will help drive the diversion without actually costing the city anything. Hand in hand with the ban on designated materials at the landfill site, we assess that the city should also look at commercial and demolition recycling as well of materials. And to go hand in hand with that, we also assess that the city should construct a scale at the landfill site. This is critical, one, to determine the actual amount of waste that's entering the site for disposal, but two, also to better assess fees for the material that's going in there. The next item is the targeted or enhanced public education program. Now this really initiative is key to any municipal waste management program. Without a good solid promotion education program, you're not going to be able to engage the public effectively, and you're not going to get that outreach and have the success that you could. So very important in any program is a good public and education. The next item is reduction of the residential bag limit. Right, currently there's a 3-bag limit in Clarence Rockland, and then there's a user pay system that allows residents to tag additional bags. What we found is that best practices in Ontario deem that municipalities should have a bag limit of 3 or less, particularly 2. Most municipalities, or I should say many municipalities in southern and central Ontario, have a bag limit of 1 or 2. The many municipalities have done what they call set-out rate studies, where they drive down the streets and they assess how many bags on average that residents put out. And every one of those studies has determined that it's somewhere between 1 and 1.75 bags a week that residents put out based on the municipality's program. So for this particular initiative, that's why we determined that it would be
advantageous for the city to go from a 3 to a 2-bag limit, but continue with the user pay program. So if people do have more than 2 bags, they do have that opportunity to put a tag on and put that bag out. But again, the bag limit of 2 or 1 is determined as a best practice in Ontario in order to drive recycling. User pay and bag limits for business. What we found is there's a varied collection system for commercial establishments in Clarence Rockland. Commercial establishments can either put out bags to the curb, or they have lugger boxes, or they have front-end bins. So in order to make the program more uniform, what the strategies determined is that you could have a system like the City of Toronto's, which is called a yellow bag system, where there's a specific color bag that commercial establishments have to use, and then they have to meet a specific bag limit. So they could pay for those bags, so it could be a user pay system. And most municipalities allow commercial establishments to put out anywhere from 6 to 8 bags a week. And then anything above that, if they can't meet that 6 or 8 bag limit, then they would have to get a private contractor to manage their waste. Multi-municipal partnerships is seen as another best practice in Ontario. And this is really just collaborating with your neighbors, your neighboring municipalities, when it comes to items like letting a new waste collection contract. So collaborating on that, collaborating on programs that may be able to, you may be able to have cross-border programs. And this is really just a means in order to drive costs down by having efficiencies of scale. The other thing, because multi-municipal partnership is seen as a best practice in Ontario, there is also funding available for programs where municipalities work together. Okay, backyard composting. The city does have a backyard composting program. However, it does not subsidize backyard composters that are for sale. And again, this is another program that's seen as a best practice in Ontario, where municipalities provide some sort of incentive by offering a reduction in the cost of the backyard composters. And as you know, backyard composting is very important to municipalities because it reduces the waste before they actually have to manage it. So what does the strategy do for the city if it's implemented? So here you can see our baseline at the bottom. And the implementation of the strategy is the second line. So basically, implementing the strategy over a 7-year period, once it matures, you're going to drive the city's diversion rate from 31% to 46%. What that does for your landfill capacity is it extends it by about 5 to 6 years. Now, for the estimated cost for the program, to implement these programs over a 10-year period, you're looking at about $23,000 a year, which is roughly about 1.7% increase of the waste management budget. However, as you can see, by your net gain line, which is the line on the bottom, you're still in a positive balance, even with implementing all the new programs that have been itemized in this waste management strategy. The blip that you see there in about year 2022, that is assessing that automated collection would be brought on
at that point in time. So you can actually see your expenditures dropping due to that savings in an automated collection system, while your revenues obviously will increase because it's going to offset. They're going to offset each other. So for an implementation timeline for the strategy, the first two initiatives obviously are to prepare a new tender for your waste collection, as that is coming due April of next year. So very important to get that out on the street. The second item would be to build your scale house at the landfill site, which I understand is already in the process of being done. And we're suggesting that your new waste collection contract only be a relatively short-term contract, probably only 5 to 7 years. And what that does is that allows you to start to implement these other programs. And then once you're into the initial contract, you can start to work on assessing the automated waste collection and possibly things like implementing kitchen organics. I should mention that in the evaluation, we did have kitchen organics in the evaluation, and it was just above the median. So we didn't enter it in here as one of the programs that should be implemented right away. But the strategy does outline that in the middle of that of your next contract, that you should assess the programs of automated waste collection, at the same time assess organics as well. Now, organics is going to, the reason that organics didn't score as high is because we know the fiscal restraints that are on the city, and implementing an organics program would have cost about $330,000 a year with capital. So by waiting until that next contract cycle and bringing in automated collection, the additional $239,000 of savings will go a long way to possibly offsetting an organics program. And I believe that's it. That's all I have. Thank you very much. Any questions? Monsieur Grimaud. Thank you for the presentation. One question, and I guess since you know we don't have a scale, you give us numbers on page, I got page 13 of my document, saying that Clarence Rockland in 2013 had a total waste stream of 10,834 tons, which is a weight. How did you calculate that? We calculated that based on the volume, estimated volumes of material. Some of your waste streams are weighed, such as your recycling material. So we definitely know what the weight of that is, but the rest of it was really just an estimation. Okay, so like I see 9,000. Oh, sorry, Mr. Lompré. Just to clarify, we have to do an annual report. There we go. We have to do an annual report to the ministry every year, and to report the tonnage, what we're doing is a topographic survey. And every year the survey is done and they deduct the amount, and there's a conversion done from the cubic meters to approximate tonnage based on good practice. So it's an approximate number, but that's where these numbers come from. Mr. Zent. Thank you very much for your presentation. Regarding the bag limit, I'm just wondering if you have any statistics on the amount of curbside dumping that actually happens when you start imposing this. I believe Winnipeg tried it. Had one bag limit, and they had to pay for the other ones. And the amount of trash that they had to pick up on the side of the road went up dramatically. So I'm just wondering if you have any stats on that. I don't have any stats on me, but there are there's anecdotal information out there. Nobody's actually assessed that. However, many municipalities have put in a one bag limit, and they have, as part of that program, they did put money towards extra enforcement and extra manpower to go out and you know, clean up the streets if indeed it did happen. But they never did found, they, none of those programs found that there was a huge increase in dumping. Other questions?
Just wanted to add that our neighboring municipality of Russell has a one-bag limit, and they have been for many, many years. Do they have a full automated system like he's proposing? Do they have solid waste, recycling, and compost being collected at the curb? It's not automated, it's manual. What they've done, they've just changed their system to go to a transfer station in VARS, and everything is sent to another landfill. But they have been at a one-bag limit for many years. Monsieur Lalo? When you did your study or your research, have you looked at the possibility of having the garbage, the solid waste picked up every second week? Because it's been proven that not 50%, but they say as high as 30% more recycling is going in the blue box, which is still done every week. We have the blue box and the black box, and that reduces the solid waste to the landfill site. And this way, I know for the saving in the city of Clarence, Rutland, was around $226,000 a year that we would get if we were to pick up the garbage for 5 months a year, which the other 7 months is every week, and 5 months a year, it's only every second week. Ottawa has done it, Montreal has done it, Quebec has done it, it's every second week. Mm-hmm. Yeah, and to the point, yes, we did look at that. However, and our company has personally implemented a lot of those programs for those municipalities. However, though going to every other week garbage collection really only works if you have a three-stream collection, so if you're collecting kitchen organics. Because kitchen organics make up almost half of the waste that's being set out to the curb. So like every diversion program, you need something in place in order for residents to put that material before you can regulate it. So certainly once you go to that organics program, I would highly suggest that the city would look at every other week garbage collection at that point, because there's definitely cost savings. Madam Trenier. If we go with the automated disposal, the garbage cans are much bigger, the huge for the blue one and the black one, so it should be easy to go every other week for those, because I mean it doesn't matter if it's heavy, the machine will pick it up anyway, and there's no problem, it doesn't matter when during the year. So I think that we should start at least with that every other week for the recycling. Autre question? Thank you very much, Mr. Smith. I think that's all they have for you. Okay, thank you very much. It would become once a month instead of every 2 weeks. Correct. Because right now it's every 2 weeks, yeah. La prochaine présentation est faite spécialement pour Mme Simard, qui est assise dans la salle, attendant la présentation des maringouins. Présentation de Gregory Roy, de GDG Environnement, au sujet du contrôle biologique des insectes piqueurs à Clarence Rockland. Bonsoir, monsieur. Conseillers, conseillères, city officials, thank you for having me tonight. My name is Gregory Roy with GDG. I'm the sales director, and I'm going to talk to you a little bit about the mosquitoes and what we do. And basically, the survey that we conducted at the Expo Clarence. Vous pouvez parler en français, monsieur? Oui, je peux parler en français. Oui, parce que tout est traduit à la télévision après. Parfait. OK. Donc, voilà. On va avancer. Donc, en premier, j'ai déjà environnement. C'est quoi? C'est un centre d'expertise unique. Et puis, on se consacre à trouver des solutions écologiques pour des enjeux de qualité de vie dans plusieurs municipalités. On a des opérations au Labrador, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, au Québec et puis même ici en Ontario. Nous autres, on est des experts en moustiques, mouches noires, et puis on fait le contrôle biologique de cette nuisance-là. Donc, on travaille, comme j'ai mentionné, dans 50 municipalités, dans
quatre provinces. Et puis, on va avancer directement à c'est quoi le produit GDG. Donc, c'est le contrôle biologique des insectes piqueurs. C'est le contrôle des moustiques et des mouches noires. Puis, ça fait 34 ans qu'on fait ça. Donc, on travaille dans différentes municipalités. Et puis, on offre un service clé en main avec une méthodologie, avec une manière de faire des best practices pour arriver à une efficacité de 80 %. Donc, on réduit la nuisance de moustiques et de mouches noires de 80 % dès la première année quand on a un programme avec une municipalité. On a des tests de nuisance qui démontrent où c'est qu'on peut avoir moins de 5 moustiques pendant une période de 5 minutes dans un certain protocole pour démontrer l'efficacité du programme, comme à La Chute ou à Gatineau ou dans différentes villes qu'on peut vous lister une lettre de référence. Okay? Et puis, on amène une meilleure qualité de vie aux citoyens et aux résidents de ces municipalités-là. C'est un moteur économique au niveau de développement économique, au niveau de développement résidentiel. Je vais aller directement à l'Expo Clarence Rockland. Donc, quand on est venu ici, on a posé trois petites questions très simples aux résidents puis aux citoyens de la région afin de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient des moustiques dans leur municipalité ou où ils demeuraient. Donc, la première question qu'on a posée, c'est « Trouvez-vous qu'il y a beaucoup de moustiques? »« Do you think there's a lot of mosquitoes in your area or municipality? » Êtes-vous en faveur d'un traitement biologique pour contrôler la population de moustiques dans votre région, dans votre municipalité? Puis combien seriez-vous prêt à payer pour un programme comme ça? Donc, c'est trois questions simples pour avoir la rétroaction des citoyens. Qu'est-ce que je dois dire aussi sur la prochaine acétate? Je vais juste l'expliquer. Donc, on a parlé au-dessus de 600 personnes. OK? Et puis, dans le sondage ou dans le survey, j'ai déposé une copie, dans le fond, avec les signatures de les citoyens à Mme Saint-Pierre, que vous pouvez consulter par la suite, OK, qui démontre, dans le fond, les résidents de la région, et puis le breakdown de les villes. Donc, on a 530 personnes enregistrées au sondage. Le 468, c'est des personnes de Clarence Rockland, les résidents de Clarence Rockland, avec les villes à proximité. Vous avez dans la pochette corporative qu'on va vous remettre à la fin, les autres villes, on parle de Alfred, Cumberland, Curran, Fournier, L'Orignal, Navan, Plagenet, Saint-Bardinin, Isidore, Vignette, Wendover. Donc, la colonne à côté, le 318, ça c'est les résidents citoyens de Clarence Rockland, et puis 62 de d'autres villes, donc Ottawa, Orleans, et puis même d'autres villes du Québec. La première question est intéressante, puis on l'a, dans le fond, on l'a coupé en deux colonnes. La première colonne, c'est au niveau des villes que j'ai mentionnées, des 468 personnes. Et puis la deuxième colonne en vert, c'est 74 % qui dit oui. Et puis ça, c'est les résidents de Clarence Rocklands. Donc, grosso modo, on a 75 % des personnes qui pensent, oui, il y a beaucoup de moustiques dans leur région ou dans leur municipalité. 22-23 % pensent non, on n'en a pas beaucoup. Et puis, quelques personnes qui disent qu'ils ne voulaient pas vraiment répondre à la question. La deuxième question, quand même très intéressante, la variable ici, c'est est-ce que vous seriez en faveur d'un traitement biologique? Puis là, on grimpe à 88 % dans les deux cas. Donc, 88 % des citoyens et résidents de Clarence Rockland et des régions alentours disent que ce serait intéressant d'avoir un programme, puis on descend à 10 % qui trouvent que ce serait plus ou moins intéressant, et puis quelques personnes qui n'ont pas voulu répondre nécessairement à la question. Troisième question qui est importante. La première, on a posé la question, combien seriez-vous prêt à payer entre 20 et 40 $? Donc, on avait des braquettes de prix pour donner un indicateur, dans le fond, les résidents sont prêts à payer combien pour un service comme ça? Il faut comprendre que le service qu'on offre, comme moi, dans ma municipalité, où si je suis, moi, je paye 35 $ pour l'année pour un contrôle biologique, pour profiter de ma terrasse, les infrastructures de la ville, etc. Donc, ici, il y a 41-44 % qui sont prêts à payer entre 20 et 40. Entre 40 et 60, on a 24 % et
entre 60 et 80 $ on a un 16 et un 13 %, donc un 14-15 %. Et le 17 % ici, il faut le souligner, les personnes généralement, soit qui disent dans cette catégorie-là, ne voulaient pas répondre à la question, ou ne voulaient rien payer, ou voulaient avoir plus d'informations avant de faire une décision sur un montant à payer. Donc, si on résume les synthèses, c'est que on a 75 % à peu près du monde qui dit « Oui, on trouve qu'il y a beaucoup de moustiques dans notre région ou dans la municipalité. » 88 % des résidents seraient en faveur d'un programme, c'est un indicateur, et 82-83 % sont prêts à payer un montant entre 20 et 80 $ Donc, c'est quand même un indicateur sur 468 personnes au niveau de la situation de moustiques dans la région, dans la municipalité, comment les citoyens et puis les résidents ont répondu aux questions. Donc, la prochaine étape, généralement, c'est d'expliquer c'est quoi un programme biologique. Avoir une présentation un peu plus complète. Là, je sais que j'ai juste 10 minutes à présenter, puis il me reste… Il me reste 2 minutes, monsieur. Il me reste 2 minutes. Donc, dans le fond, une présentation complète comme que je fais ailleurs… On regarde à différentes étapes. Le concept du traitement de la zone protégée, la planification, les communications, prospection, les traitements, les tests de nuisance, la méthodologie, le best practice, le produit qui est le BTI qu'on explique. Là, c'est un biolarvicide qui est utilisé même dans le programme du virus du Nil, là, ici en Ontario. Les bénéfices du programme. Rapidement, le concept du traitement, ben, dans le fond, on explique en détail comment qu'on arrive à une efficacité de 80 %. OK? On donne beaucoup d'informations sur le produit tel quel que vous allez retrouver dans votre pochette corporative. Donc, qu'est-ce que je propose comme deuxième étape? Ce serait une présentation aux membres de la ville ou au conseil d'une présentation plus détaillée sur un programme d'insectes piqueurs pour comprendre les variables qui sont dans ce programme-là. Donc, voilà, je sais que le temps est limité, vous avez possiblement des questions. Il y a beaucoup d'informations dans la pochette corporative que je vous ai donnée. Et puis, je suis libre à répondre à vos questions. Questions? Oui, Bob. Le traitement se fait principalement comme dans les ruisseaux, dans les forêts ou… OK, ça, c'est une étape qu'on explique. Le moustique va se développer dans l'eau stagnante. La mouche noire va se développer dans l'eau courante. Donc, le traitement est fait sur un territoire et un périmètre qui est dans le fond défini alentour de la région à protéger. Et puis, des techniciens vont ratisser le territoire au complet. On va géoréférencer tous les sites larvaires. Il y a un protocole au niveau du ministère de l'Environnement au niveau des données et de la méthodologie en arrière du programme. Donc, ça rentre dans une deuxième étape afin d'expliquer comme il faut qu'est-ce qu'on fait sur un territoire au niveau opération aérien et terrestre. Ma prochaine question, je comprends que c'est biologique, là, mais lorsqu'on traite les ruisseaux, l'eau stagnante, les ruisseaux qui coulent abondamment, qu'est-ce qu'on fait à des pauvres petites grenouilles, puis des petits poissons, puis de tous ceux qui sont là? Qu'est-ce qui arrive? Eux autres, ils avalent tout ça, tout, eux autres ici? Je suis très content que vous posiez la question. Ça, c'est un autre élément au niveau de l'environnement. On explique, puis on va démontrer dans la pochette, vous avez tout ce que vous devez savoir sur le BTI, et on répond à ces variables, à ces questions-là au niveau des grenouilles, des chauves-souris, des oiseaux, même des abeilles, qu'il n'y a pas d'impact nocif à aucune autre espèce. Le produit est spécifique à la larve de mouche noire et la larve de moustique. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 60 à 65 espèces de moustiques. Il y a 70 à 75 espèces de mouches noires. Ils sortent à des moments différents. Le produit ne s'accumule pas dans l'environnement, le BTI, le produit que je parle, le biolarvicide, qui est même utilisé dans tout ce qui est considéré des « environmental sensitive areas ». Donc, il n'y a pas d'accumulation, puis c'est un produit qui est biodégradable. Dans le fond, on ne retrouve pas le produit. Le produit, après 36 heures, n'est plus dans l'environnement. Donc, les études scientifiques sur les 35 dernières années, là, on est là pour expliquer puis éduquer en toute transparence aux membres du conseil puis à la population. Votre dernière question, M. Simoneau.
que vous voulez me dire, c'est que les maringouins peuvent se cacher en arrière d'un arbre pour 36 heures, puis après ça, ils peuvent revenir, puis là, c'est plus fonctionnel, là. Mais je sais pas, moi, je connais pas ça. Non, mais c'est pour ça que je vous demande, dans une prochaine étape, de vous expliquer en détail les étapes par rapport au cycle du moustique, au cycle de la mouche noire. Il y a vraiment une présentation complète, là, c'est 45 minutes à une heure, à expliquer ces étapes-là, puis c'est quoi, puis comment le produit interagit là, avec les larves. C'est parce que M. Simoneau reste à Clarence Point que les moustiques, là, sont très rusés. J'ai bien compris. Je vais lire votre documentation. Je vous remercie beaucoup. M. Zan. Combien de communautés qui ont acheté votre produit? Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fait 34 ans que GDG fait des contrôles biologiques. On a commencé avec les campements d'hydro à Bay James. Après ça, on est à Fermont, Wabush, Labrador City. Ici, la chute, Mont-Tremblant, ça fait 20 ans. Donc, on travaille dans une cinquantaine de villes. On peut vous donner la liste de références. Moi, je vous invite, dans le fond, dans une deuxième étape, à les contacter. You get off, you know, the first-hand experience from another city. Dans le fond, moi, je veux fournir toute l'information nécessaire afin de pouvoir vous assister dans ça et que vous pouvez communiquer avec d'autres villes qui ont déjà le programme. OK? Pour nous, c'est important que vous faites vos devoirs aussi, votre due diligence sur notre entreprise. Puis nous autres, on veut agir en transparence avec vous. C'est pour ça qu'on remet toute l'information. Est-ce que le produit est approuvé par le ministère de l'Environnement et de la Santé? Tout à fait. Health Canada, ministère de la Santé, je peux vous donner tous les liens web, même, puis je pense qu'ils sont déjà dans le document. Puis ça, c'est mondial. Le produit est utilisé mondialement depuis les 35 dernières années. Donc, le Conseil national de recherche a fait des recherches tout seul? Oui, je peux. La liste, dans le document, toutes les références des études scientifiques démontrent les aspects et les spécificités du produit. Autre question? Merci beaucoup, M. Roy. Merci beaucoup. Je suis certain que quelqu'un va vous contacter. OK, merci. Pétition correspondance, 5.1. Three-way stop at Silver Emerald Intersection. Arrête à trois sens, intersection Silver et Emerald. Ces intersections-là, M. Rivard, est-ce qu'on a regardé là-dedans? Parce qu'on a deux lettres ici, là. Une pour l'intersection Jasper Quartz et Silver et Emerald. Essaye. OK, c'est bien. Je n'ai pas reçu la correspondance. Par contre, c'est sûr, si je reçois la correspondance, je vais pouvoir regarder à la requête et les piquer. Oui, M. Grimaud. Juste peut-être pour donner un petit peu à tout le monde la possibilité d'être mis au courant. Ces pétitions-là ont été reçues à la Ville il y a quelques semaines et c'est les résidents eux-mêmes qui se sont mis ensemble. Juste pour comprendre que lorsqu'on entre à l'intersection de Silver Lane et Emerald, il y a seulement un seul arrêt stop d'installer. C'est une intersection à trois voies. Et les résidents, depuis presque le tout début, surtout en ce moment à cause que la rue Saint-Joseph n'est pas encore extensionnée, il y a un problème important d'arrêts qui sont brûlés d'excès de vitesse. Ceux qui sont un petit peu familiers, si vous regardez sur votre document électronique à la page 52, juste pour donner un petit peu d'histoire, il y a 81 résidents qui ont signé la pétition en vue d'avoir trois arrêts à Silver Lane et Emerald. Alors, si vous regardez votre image, Emerald qui devient Jasper, nord et sud, n'a aucun arrêt. Alors, les véhicules filent là-dessus. Beaucoup de gens qui disent que c'est très dangereux, surtout l'hiver, alors qu'ils prennent la courbe. Et la deuxième intersection, si vous regardez à la page 58 de votre document, on parle du croissant Jasper et de l'avenue Quartz à l'intersection nord, parce qu'il y a une intersection au sud. Encore une fois, cette rue-là est un droit, c'est bien ouvert et il y a beaucoup de gens qui roulent très vite. Alors, les citoyens, encore là, 51 résidents ont signé la pétition uniquement pour cette intersection-là, dans le but d'avoir une intersection à trois arrêts. Alors, les résidents ont parlé fort, se sont organisés. J'applaudis Mme Robillard, Isabelle Robillard, qui a vraiment pris la tête de cela. Est-ce que c'est votre quartier, monsieur? Oui, c'est mon quartier. Est-ce que vous pourriez apporter peut-être un avis de motion? J'en ai une dans les mains, monsieur le maire. Envoyez fort. Alors, c'est tout simplement une recommandation que le comité plénier accuse réception et dépose en filière la pétition donnée par les résidents du village Morris
concernant la demande d'un arrêt à 3 sens à l'intersection des rues Silver et Emerald, que le comité plénier recommande au conseil municipal de considérer l'installation d'un arrêt à 3 sens à l'intersection des rues Silver et Emerald. Ça, c'est la première. Alors, ça me prendrait sûrement un secondaire. Mais on va pas voter, on est... C'est juste mettre l'avis de motion pour l'apporter à la prochaine... C'est un avis de motion qu'on amène à la plénière pour être à rapporter ou à régulier, si je me trompe. Bon, se trompe. Madame Ouellette. Juste pour clarifier, c'est une pétition qui est reçue. Donc, qu'est-ce que M. Grimard fait en ce moment? C'est qu'il porte une recommandation du comité plénier qui va aller au conseil municipal pour considération. Fait que si la recommandation de M. Grimard est adoptée ce soir comme recommandation, à ce moment-là, le staff va préparer un rapport pour apporter au conseil municipal pour adoption, pour considération. Alors, je crois qu'il faut voter sur la recommandation. Oui. OK. Alors, ça va me prendre un secondaire. Je crois que M. Lalonde. Oui. Tout le monde en faveur? Et la deuxième, article 5.2, pétition arrêt à 3 sens à l'intersection Nord Jasper Quartz, que le comité plénier accuse réception et dépose en filière la pétition donnée par les résidents du village Morris concernant la demande d'un arrêt à 3 sens à l'intersection Nord des rues Jasper et Quartz, et que le comité plénier recommande au conseil municipal de considérer l'installation d'un arrêt à 3 sens à l'intersection Nord des rues Jasper et Quartz. Secondaire, Mme Simard. Tout le monde en faveur? Merci. Je vais peut-être rappeler aux gens, par exemple, que des arrêts, c'est bien beau, là, on arrête, là, mais ça diminue la vitesse des gens, mais ça augmente le départ un peu non contrôlé après à l'arrêt aussi. Là. Je peux vous le dire, je le vis à tous les jours. Oui, c'est bien reçu, mais au moins on va ralentir le trafic. Mais pour avoir conduit avec vous comme passager, c'est vrai que vous le faites des fois. C'était-tu sur le cart de golf, ça, monsieur? Oh, non, je pense que vous auriez vu au contraire, c'est lui qui conduisait. Lettre datée du 15 mai 2015 du village de St. Mary's pour un projet de demande de support du projet Network Southwest Action Plan de Via Rail. Je propose, monsieur le maire, qu'elle soit reçue et déposée en filière. Un secondaire, M. Simoneau. Tout le monde en faveur? Merci. 5.4. Lettre datée du 8 mai 2015 de CEFEO pour une demande de contribution financière pour leurs élèves. Mis en filière. Déjà fait quelque chose les années passées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, quelque chose qui a été donné à ce centre-là? On dit qu'ils sont à Rockland. Alors, si vous voulez faire une donation, soit je vous envoie la page ici, vous mettez la donation que vous voulez mettre de votre budget. La dernière fois qu'on avait eu une demande, j'avais demandé que... pour que ça soit égal, pour que ça soit juste là, pour envers toutes les écoles, qu'il y ait tout simplement un budget qui soit alloué pour qu'on puisse donner un certain montant à toutes les écoles qui font des graduations. Alors, au lieu que chaque école demande à chaque semaine ou à chaque période de temps, on sait qu'ils vont demander des dons. Alors, soit que le conseil, dans son budget, prévoit un montant pour des dons pour les écoles. Ça évite là, de qui donne à telle école, qui donne comme pas. Comme c'est là, on n'a rien au budget pour ça. Si vous êtes intéressé, prenez votre feuille, mettez le montant que vous avez sorti de votre budget d'office, puis le donnez-le à madame, puis on va vous arranger ça. OK? Merci. Lettre du Club Richelieu de Rockland au sujet du souper pour le 50e anniversaire qui va avoir lieu en 2016. Vraiment, c'est quelque chose qui devrait être apporté au budget de 2016 avant qu'on recommande, parce que je pense que 4 500, c'est un gros montant. Peut-être qu'on pourrait vérifier aussi en même temps combien qu'on a donné à la francophonie quand on a fait ça. Je propose que le thème soit ramené à l'agenda du mois de janvier 2016. Monsieur Grimard? Je veux juste amener un point, et c'est un point peut-être un peu personnel. On va donner des sous provenant du budget des contribuables pour avoir payé pour un cocktail et également avoir l'affiche de la ville sur des bouteilles de vin.
Je vous amène ça. On parle de consommation d'alcool là-dedans et le nom de la ville. S'il fallait qu'il arrive un incident quelconque où est-ce que l'alcool serait mis en cause, on a l'affiche de la ville sur les bouteilles de vin. Peut-être qu'on pourrait considérer donner le même montant, mais peut-être l'affecter ailleurs. C'est juste une suggestion. Je vais juste amener ça peut-être comme point. Peut-être pour une bannière de publicité seulement. Ça pourrait être ça. Je pense que si on commence à mettre l'effigie de la ville sur des bouteilles d'alcool... Peut-être qu'on pourrait le ramener au budget puis spécifier comme quoi que ça ne devrait pas être pour un cocktail ou une bouteille de vin, et peut-être pour une bannière de publicité envers le club. Okay. Merci. C'est noté, madame? Oui. Mais encore une fois, là, on donne beaucoup à un organisme, puis on ne donne pas nécessairement à d'autres organismes. Le club optimiste, le club Richelieu, il y a le club Richelieu à différentes régions. On le ramène au budget de 2016. Voici, il y a de l'argent pour. Okay. Comme c'est là, ce soir, on donne rien. Okay. Bien, ça va être mis au budget. Ça va être amené au budget, voir s'il y a de l'argent pour être contribué à ça. S'il n'y a pas d'argent au budget, bien, ça va être refusé, c'est tout. Monsieur le maire, on espère pouvoir être en train de travailler sur le budget au mois d'octobre et au mois de novembre. Je ne pense pas qu'on va être en train de faire le budget en janvier, février et mars. Alors, ça serait peut-être bon que cet item-là soit ramené au moment du budget et non en janvier 2016. Parce qu'on risque de manquer le bateau en janvier 2016. Monsieur Lalonde l'avait suggéré. Alors, M. Simoneau va être le secondaire. Et tout le monde va être en faveur de ça, de ramener au budget. Et voilà. OK. Avis de motion. Avis de motion présenté par le conseiller Jean-Marc Lalonde au sujet d'un appel interurbain à Cité de Clarence Rockton. Allez-y, monsieur. Attendu qu'à l'intérieur de la Cité de Clarence Rockton, le secteur de Bourgette et Hammond a un code indicatif de 487 sont imposés des frais interurbains pour communiquer avec les résidents commerçants de Rockland ou Clarence Creek ayant des codes de 446 et 488. Et attendu qu'en 2007, la cité de Clarence Rockland avait fait des démarches pour éliminer les appels interurbains auprès de Bell Canada et ce, sans succès par conséquent. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence Rockland dépose une demande auprès du conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC afin d'éliminer les appels interurbains à l'intérieur de la cité de Clarence Rockland et qu'il soit résolu qu'une rencontre soit organisée avec les représentants de CRTC et de la municipalité afin de discuter de ce dossier tel que recommandé. Secondé, Mme Chaunière, je peux comprendre, c'est très frustrant de voir que nos voisins à côté de nous autres, juste un petit peu plus loin dans le ligne, sont obligés de faire des longues distances. C'est quelque chose qu'on s'avait battu, comme ils disent, en 2007. On a été refusé par Bell Canada, ils ne voulaient rien savoir. C'était bien la manière d'aller avec CRTC. Je l'espère, parce que c'est ridicule que... On peut appeler à Canada, on peut appeler à Gatineau, mais on n'est pas capable d'appeler de Rockland à Bourgette. Oui, Mme Chaunière. Ce qui nous avait été dit à l'époque, c'était qu'il faudrait changer le numéro de tout Clarence Rockland. Alors, au lieu d'être 446 et 487 et 488, ce serait un numéro, trois chiffres différents qui seraient communs à tous. Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis ce temps-là, s'il y a d'autres alternatives. Je vous dis, si ça ne passe pas, bien, on trouverait une autre compagnie qui est capable de donner des moins de longues distances, c'est tout. Justement, juste pour répondre. Le 487 va demeurer la même chose. C'est juste pour les échanges qui ça ne devienne pas. Qui mettent tout 488. Il disait que pour être capable d'avoir de ne pas avoir de longue distance, il fallait qu'il réorganise les numéros. On a 673 qui est dans la région. C'est pas longue distance. Plantagenet à Wendover. Et puis on a Cumberland, mais Navin, c'est longue distance. Yes, Madame Courrier. As I mentioned at a previous meeting, the City of Ottawa was successful in changing the boundaries right down to Burt's Rapids, which is a very southern part of the city, to ensure that there was no long-distance calls to City Hall, which was now on Elgin and Laurier. There was no need to change any telephone numbers at that time. They simply changed the boundaries to include those telephone numbers. Sure. So when we make the application, we'll make that clear. And it wasn't... We will ensure that there's no phone number changes required.
Alors, vous avez un secondeur pour ça, monsieur? Oui, Madame Chaunière? Tout le monde en faveur? Et voilà, ça a l'air qu'on n'est pas obligé de voter. C'est juste un essai. Allez-y, monsieur Lalonde, pour stationnement en façade de l'école de Sainte-Trinité. Attendu que l'espace de stationnement situé en façade de l'école Sainte-Trinité sur la rue Saint-Joseph à Rotten a été fermé au mois de mai 2014, et attendu que les employés municipaux travaillant à la garderie Sainte-Trinité, ainsi que les parents des enfants de la garderie, n'ont pas assez d'espace de stationnement pour subvenir à leurs besoins. Par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence Rodden mandate l'administration à reconsidérer la réouverture du stationnement situé du côté ouest de la rue Saint-Joseph tel que recommandé. Question? Oui. Secondaire? Non. Voulez-vous un secondaire avant ou les questions avant? Secondaire avant. Madame Simard. Question? J'ai quelques questions sur ce sujet-là, qui est un sujet auquel j'aimerais avoir des clarifications, spécialement au deuxième paragraphe, les employés municipaux travaillant la garderie ainsi que les parents manqueraient d'espace. Madame Lefebvre, dans la dernière année, est-ce que vous avez reçu des plaintes, soit des employés ou encore des parents d'enfants qui manqueraient d'espace de stationnement? Le problème qu'on a, c'est plutôt au niveau l'espace qui a été construit pour le stationnement de garderie était spécifiquement pour le programme bambin préscolaire. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que parce que c'est plus près de la porte principale de l'école, plusieurs personnes se servent de cet espace-là pour stationner au lieu d'aller stationner dans le nouveau stationnement de l'école. Donc, ça, c'est la problématique numéro un. Donc, c'est vraiment de pouvoir respecter le fait que le plus petit stationnement, c'est pour le programme bambin préscolaire. La plainte qu'on a, c'est au niveau que les parents trouvent que la distance de marche est trop loin. C'est pas un manque d'espace de stationnement, mais plutôt la distance que le parent les membres du personnel doivent marcher pour se rendre à l'entrée principale de la garderie. Donc, on n'a pas eu de plainte officielle disant qu'il manque de stationnement. C'est plus la distance. C'est ça. C'est plutôt au niveau de la distance et le fait que le petit stationnement pour les... la raison qu'on a fait un stationnement spécifique pour les bambins préscolaires, c'est qu'on parle des enfants beaucoup plus jeunes que les parents doivent porter avec des sacs. Donc, c'est là que la problématique où est-ce que les gens ne respectent pas que c'est spécifiquement un stationnement pour le programme bambin préscolaire. Okay. C'est ça notre problématique. Deuxième question, je pense que ça s'adresse peut-être plus à la réglementation. Je crois que depuis que c'est fermé, il y a des traverses qui ont été vraiment établies, là, une au nord, une au sud de ce soi-disant stationnement fermé-là. S'il fallait réouvrir ça au niveau sécurité, est-ce qu'on pense qu'il pourrait y avoir des parents qui commenceraient à traverser sans traverser? Moi, définitivement, on aurait des inquiétudes à réouvrir là, cet espace de stationnement-là. Je suis d'opinion qu'on a corrigé une situation pour la rendre sécuritaire. Reconsidérer la réouverture définitivement pourrait porter là, à des inquiétudes là, au niveau de la sécurité des piétons qui utilisent le secteur définitivement. Juste pour terminer, M. le maire, moi, c'est dans mon quartier, j'ai eu zéro plainte et je crois qu'on va repaver et refaire cette rue-là l'an prochain, de réouvrir ça. Ça pourrait créer plus de dangers au niveau sécurité des parents, des enfants qui ne traverseraient plus. Je sais que les rues Saint-Laurent et la rue Chêne ont beaucoup de véhicules, mais il faut juste être patient. Il nous reste un dernier été, un dernier hiver avant qu'on refasse tout ça. Alors, c'est mes commentaires. Moi, je serais contre cette chose-là. Je sais qu'on fait juste une recommandation, mais basé là-dessus, je ne pense pas qu'on a besoin de ça. Monsieur Lalonde. Bien, pour vous dire, il y a eu une rencontre avec Mme Morris, service de garde, et puis Pierre Boucher. Et puis ensuite, il y a eu une rencontre avec le directeur de l'école, M. Sylvain Boisvert. Puis, il demande à ce qu'on réouvre, parce que le service de garde ont demandé à revoir ce stationnement-là. Nous dire que deux traverses pour les piétons, il y en a une pour la Sainte-Trinité
était au coin de Saint-Laurent. Il y en a un autre pour l'école Rutland Public School. Il n'y en a pas une en avant de la porte principale de Sainte-Trinité. Mais à part de ça, on a installé des enseignes défense de stationner sur la rue Chénée. Mais allez voir quand il y a une activité là, les gens parquent jusqu'au Chevalier de Colomb. Puis la rue Chénée, ils ont eu peut-être des avertissements ou des billets. Je ne sais pas, c'est un des deux qu'ils ont eu. Parce qu'ils ont été avertis que les autos qui stationnaient là, qui n'avaient pas le droit, donc ils ont stationné. Puis là, aujourd'hui, les propriétaires, il y a M. Lavictoire, puis l'autre, c'est Villeneuve, je crois, sans croix. Puis là, ils vont stationner dans leur cour quand ils veulent aller chercher les enfants. M. Lalonde, comment se fait que M. Grimard n'a pas été averti s'il y a eu des rencontres dans son quartier? Ben, je vais vous dire, s'il y a une plainte à l'hôtel de la ville, je n'ai pas le droit de dire un mot. L'école a dessert toute Rutland. La garderie dessert toute Rutland. Elle ne dessert pas seulement que le quartier 3. Oh, j'ai jamais dit ça, monsieur, mais ça a été par politesse de demander à M. Grimard d'assister à cette réunion-là. Bien, c'est eux autres qui m'ont... Parce que je vais souvent à l'école, ça fait qu'ils m'ont demandé. Mais j'aimerais, s'il y a une autre réunion, que M. Grimard soit inclus. Ben, Madame Joignard. Chaque fois que ça arrive, mais je pourrais dire d'autres rencontres qui ont eu lieu, puis je n'ai pas été invité. Je le sais, mais on dira la même chose si ça arrive à d'autres quartiers. Madame Joignard. M. Grimard. C'est fermé. OK. Est-ce qu'on a déjà exploré la possibilité de tout simplement vendre cette partie de terrain au conseil scolaire puis que le conseil scolaire gère ça, cette situation-là? Parce que si pour eux, si pour le conseil scolaire, ils ont assez de stationnement, c'est seulement parce que le personnel ne veut pas marcher la distance. Je vais vous dire, là, moi, je travaille à Ottawa, puis on en marche une très grande distance pour pouvoir du stationnement pour se rendre à notre travail. C'est comme ça, les parents aussi doivent stationner très loin pour que les jeunes marchent puis se rendent jusqu'à l'automobile pour éviter qu'il y ait autant de circulation là où les élèves circulent. Alors, c'est ça une municipalité, c'est ça un centre-ville. C'est toujours difficile là, d'assurer une circulation près des écoles, mais c'est une réalité. Alors, si le stationnement du conseil scolaire, de l'école en tant que telle, est suffisamment grand, je pense que les gens vont devoir changer leurs habitudes et prendre des bonnes habitudes. Et il peut peut-être que pour le stationnement pour les bambins, il faudrait peut-être que les parents qui ont le droit d'utiliser ce stationnement-là puissent avoir une vignette dans l'automobile qui démontrerait qu'ils ont le droit de stationner là. Et les autres qui n'ont pas la vignette, seraient tout simplement recevraient un billet. Madame Courlieu. The situation of this piece of land is very close to opposite to the school. When we do the Saint-Joseph study of that piece of road, this piece of land will be looked at that time and recommendations are going to be made. The safety of the street is going to be fully improved. So I suggest at this time we wait till we have the recommendations from the Saint-Joseph study. Totally agree. Madame Chouinard, juste pour vous dire, la garderie, c'est la garderie de la municipalité et non la garderie de l'école. Donc, on est responsable pour nos employés, responsable pour les parents qui vont aller cueillir leurs enfants. Ce n'est pas le conseil scolaire qui est responsable. C'est bien. On continue. Item, période de questions. Vous n'avez plus de questions, monsieur. Bon. Ah, excusez. Rassoyez-vous, M. Archambault. J'avais oublié 6.3. Je m'excuse, M. Archambault. Comité consultatif. Ça ne sera pas là. Dumoulin, envoyez fort, M. Zant. 6.3. Attendu que le parc du Moulin nécessite l'implantation d'un comité consultatif afin de discuter des moyens de la revitaliser pour améliorer les services offerts à la clientèle, qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate les services communautaires de préparer les termes de référence pour établir un comité consultatif pour le parc du Moulin. Madame Simard, appuyez. Question, Madame Soignant. Je crois qu'il y avait déjà un comité de parc. On crée un comité de parc pour chaque parc qui est créé. Ou c'est juste pour le temps de la création, le temps de la rénovation, puis après ça, le comité est dissous, puis ensuite c'est le comité de parc en général qui s'occupe du reste?
on n'a pas un comité de parc spécifique. Ce qu'on fait, c'est quand on a le développement d'un nouveau parc ou le redéveloppement, c'est là qu'on forme un comité strictement pour le développement du parc en question. Ce comité-là est dissous par la suite? C'est ça. OK. Alors, c'est pour une échéance spécifique. Exactement. Okay. That's it. Autre question? C'est bien. M. Archambault, c'est votre tour. Monsieur le maire, conseillère, conseiller, membre de la direction. Votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. Pierre Archambault, 3319, la vieille 17. Je continue à faire mon deuil. Ma question est concernant le transfert des fonds des comtés unis à Rockland. J'ai lu le rapport qui est dans le faisait partie de l'agenda. C'est les termes de référence concernant l'entente de transfert des municipalités. Coupelle de précision, je croyais que le montant initial qui avait été mentionné, c'était à l'entour de 640 $. D'après l'entente, c'est 456. Non, ça a déjà été 456 000. OK. Pour 4 ans. Pour 4 ans. Donc, c'est un prorata basé sur un montant de 2 millions qui sont répartis. Oui, pour les 8 municipalités, selon le nombre de chemins et le nombre de résidents. Donc, assumant que ce montant-là ne change pas pour les 4 prochaines années, on peut s'attendre à avoir 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million. J'ai remarqué un des critères, c'est que les projets, premièrement, c'est pas quelque chose qui va être donné au tout début. Je crois qu'il faut qu'un projet soit approuvé pour allouer ce montant-là. Oui, mais 456, mais c'est surtout pour faire certain que ça va aller dans l'infrastructure, soit les chemins, même l'équipement pour les chemins, une charrue, je sais qu'il y a une des municipalités, il a acheté une charrue, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais ça ne peut pas aller pour des plans, bâtir une bâtisse pour la ville, il faut que ça reste dans l'infrastructure. D'accord. Mais où est-ce que, je demande un éclaircissement, c'est qu'il semble que l'entente soit basée sur les travaux, le projet pour le financement soit donné avant taxe, doit être approuvé pour recevoir cet argent-là, et non pas quelque chose qui va être donné automatiquement. Bien, c'est pour faire certain que ça va aller dans les projets qu'ils ont spécifiés, parce qu'ils ont vraiment spécifié qu'il fallait que ça y aille dans l'infrastructure. Le comté veut s'assurer que ça s'en va là. Qui est dans la cédule E. Parce qu'on a de la place en masse pour mettre dans l'infrastructure, fait que nous autres, c'est pas un problème, que ce soit pour de l'équipement ou pour les chemins. Bien, en fait, la cédule E donne pas mal un grand éventail de type de projet où est-ce que ça peut être affecté. Et on n'aura pas de misère à remplir les conditions qui demandent. La question que j'ai, c'est concernant le budget qui a été approuvé au début de l'année, pour cette année. C'était 1,2, 1,3 million. Est-ce que ce montant-là va être mis au-dessus du budget qui a été alloué? Le budget ici? Oui. C'est complètement séparé. Ça, non, je suis d'accord. C'est qu'on a un budget qui a été alloué pour les infrastructures pour cette année. Oui. Puis là, on a un 450 qui arrive, là. Oui. Est-ce que ça, c'est additionné au-dessus ou c'est un montant? Non. Puis on tasse un autre montant, puis on met ailleurs? C'est additionné ensemble. Ça va être les deux montants ensemble. Il y aura 456 000 ne sera pas enlevé du budget qu'on avait déjà avec la ville. Ça va être additionné de surplus. OK. Fait qu'on va faire plus de chemin. Donc, c'est l'intention de continuer dans la même stratégie pour la prochaine année, les trois prochaines années? Oui. Oui. C'est un surplus qu'on va chercher. Il va être pour les prochains 4 ans. Puis, ça va nous donner la chance. Puis, c'est l'intérêt de toutes les municipalités d'aller avec ça pour avoir plus de chemins réparés. Parce qu'on est tous dans la même situation. La petite réparation de la vieille 17 qui devait être faite, ça ne sera pas fait avant que ça soit approuvé. Monsieur Archambault, donnez-nous le temps. La gelée n'est même pas sortie du chemin encore. Parce que si on vous l'arrange, on met du pavé dessus. L'année prochaine, vous allez revenir nous voir. Mais ça va de l'avant. Surtout en bas de passer Ramage, là, en bas de la côte, là, dans la courbe. Là. Ça, c'est définitivement, ça va aller de l'avant. C'est dangereux. Oui. Merci. C'est bien. Autre question? Restez assis, M. Bond. Rapport de comtés unis. Comme vous le savez déjà, mais on a eu 1,1 million aussi venant de Écoute-la-Rose.
Le projet n'est pas cancellé. Apparemment, il y a des privés qui seraient tout bien intéressés. Ça va être à voir. Mais définitivement, le montant de 4 millions qui avait été mis en réserve pour Écolarose va aller d'avant d'être séparé pour les municipalités. Ça a été passé la semaine passée. On a fait certain que l'argent sortait de là. Les municipalités ont voté unanimement de le sortir de là. Piste cyclable de Via Rail, j'ai mentionné Mme Chouanière à propos de la piste cyclable, puis ils disent qu'ils font des travaux dessus comme c'est là. Mais de paver toute la route, c'était hors de la question. Parce qu'à cause que c'est Via Rail qui appartient au terrain, donc c'est pas certain si on va l'avoir. Ils ont un contrat, de 3 ans pour la piste cyclable, Mme Lefebvre. C'est un contrat avec Via Rail pour la piste cyclable de tout le monde. Là, ils le laissent à la roche. Puis ils sont d'accord que pavé, ça, c'est plus de succès. Mais ils n'ont pas d'argent puis ils ont peur de perdre le contrat avec Via. Oui. Oui, mon inquiétude, c'est que, oui, il reste 3 ans sur le contrat de 99 ans qu'on avait. Mais par contre, après ça, il renouvelle seulement pour des périodes de 10 ou 20 ans, je crois. Hein? C'est 20 ans? Pour des périodes de 20 ans. Alors là, est-ce qu'on va nous dire, ah, mais là, pour 20 ans, c'est trop court, alors on n'investira pas parce qu'on ne sait pas si dans 20 ans, ça va nous appartenir encore. Oui, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut, prendre une décision puis dire, est-ce qu'on veut promouvoir puis encourager le tourisme qui vient dans la région? Tellement d'activités qui se passent partout dans les municipalités, comme pour les arts, oui. Les municipalités, oui, la visite de tous les artistes, la visite aussi de tous les endroits où ils peuvent aller visiter des fermes et ainsi de suite. Mais vous, ce qui arrive, c'est que le comté a passé une loi, ils vont mettre des pistes cyclables à côté de leur chemin, ils mettent plus de pavés, plus une largeur pour les bicyclettes. Et puis, ils se disent, eux autres, il y a mieux mettre l'argent là que le mettre dans une piste cyclable qui appartient à Via. De ce moment-là, c'est nos chemins, puis ils vont faire considération d'unir tous les chemins alentour avec une piste cyclable sur les chemins de comté. Mais là, pour ça, il faut que les chemins de comté qu'ils font s'en allant nord-sud soient faits aussi, pas seulement est-ouest. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de route là, sécuritaire pour aller de Walkland jusqu'à Beauchamp, par exemple. On verra, on voit celle de Russell Road qui va être faite là. On va faire certain qu'ils mettent la piste cyclable là, mais ils ont séparé que toutes les municipalités aient un chemin pavé cette année. Mmh. Puis ils s'en vont avec l'extra. Ils avaient essayé, je sais que M. Clermont m'avait dit qu'ils ont essayé de mettre une piste cyclable chaque bord avec des chemins existants, mais avec la gelée et tout ça, ça travaille, puis ça fait une différence de chemin, là, de hauteur entre les deux. Puis ils ont trouvé que ça c'était pas valable, oui. OK. Puis pour l'asphalte pour Bourget, c'est tout. Rapport de service, on va commencer. Infrastructure, on a les 3 mousquetaires, non? Ah, c'est vous qui pouvez le faire. Je pensais que nos 3 mousquetaires dans le coin étaient pour nous dire quelque chose. Allez-y, Mme Courdeur. This evening, I did ask Mr. Denis Lampre, Mr. Roussel, and Mr. Campo to be with us, as they each had a report on this evening for your consideration. Given the changes in the infrastructure department, what we chose to do was present you with a report that's prepared by Mr. Lampre each month and a report that's prepared by Mr. Roussel each month. Those 2 reports were previously given to the director, who would then select information from there to prepare his report that you received previously. Instead of picking and choosing, we decided to present both of those reports to you this evening, so you had all the information that came from those 2 managers. So Mr. Campo used to work with Mr. Roussel to produce a report, so that's why we only have 2 and not 3. But as we're in transition now, I didn't want to turn the world upside down to get you the information you needed. So they're both at your disposal this evening to answer questions on those 2 reports. Also this evening, you're going to have the regular department reports from the other departments, but we're also mixing in a few new items that are going on to Committee of the Whole as we transition from departmental reports to reports that need to be discussed. So what's going to happen this evening, you'll have those 2 departmental reports, then you're going to have you have a short report from me on the actual costs of the
sanitary sewer spill on Laurier Street, which had been requested. And then the next would be a presentation from Mr. Roussel on where we're at with the sanitary sewer on Laurier Street and what our next steps are. You will also see that in the finance department, there's an additional report, which you wouldn't normally get at Committee of the Whole, but you're getting because we're in transition. And this is to receive the funds from the United Counties formally. This evening I have with me a list of projects that you consider can take the information away and consider how to spend the money, which we can discuss at the next council meeting, Committee of the Whole, next council meeting on the 15th. So, can I just add a word here? Laissez-moi vous dire que les employés d'infrastructure, quand c'est arrivé pour l'urgence du sourd sur la rue Laurier, ont travaillé d'une belle façon, ont fait avancer toute la chose de l'avant à une vitesse très bien. Les réunions ont eu lieu, les caméras qui ont été passées, tout est venu. Ça va de l'avant. On peut remercier nos employés. Merci. So, commence avec environnement. Des questions? Avez-vous des questions? Oui, M. Simoneau. Monsieur Lompré, concernant le HP Engineering pour les plans de vie pour le dégrillage, jumelage, modification, je pensais que c'était une firme principalement en structure. Puis là, je vois qu'on fait des modifications. À station numéro 1, on fait du jumelage de conduite. Est-ce que je me trompe en assumant qu'ils étaient spécialisés en structure, ces gens-là? Non, ils sont en effet spécialisés en structure. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer le document pour aller chercher la firme d'ingénieurs qui va être embauchée pour faire les plans de vie. Ah, lorsque je lisais, ça dit la firme HP Engineering a été retenue pour compléter les plans et de vie. Alors, puis là, vous me dites qu'eux autres, ils ont été retenus pour... Oui, c'est vrai, c'est mal écrit. En effet, ils ont été retenus juste pour créer le document pour aller sur Merx, pour choisir la firme d'ingénieur. C'est bon. Merci. Autre question? C'est bien. Sur les deux autres sujets. Envoyez fort. Qui vous voulez poser la question, Mme Chaudière? Moi, je vais poser la question par rapport au chemin. En français. La dernière fois, on a parlé que la liste qui était sortie était sortie seulement là, pour cette année, pour 2015. Puis il y avait une liste qui était en préparation pour peut-être les deux, trois prochaines années. J'ai deux questions. La première partie, c'est est-ce que la liste qui est préparée pour 2015, ce qui nous avait été présenté la dernière fois, est la liste qui va être accompli cette année, ou si vous allez attendre d'avoir la liste des trois pour les trois prochaines années avant de déterminer quels chemins vont être faits cette année. Do they all have that? Not yet. Not yet. OK. On a fait des cartes pour vous présenter qu'est-ce qu'on planifiait faire cette année. Pour ce qui est de questions de paver les chemins ou le budget de traitement de surface, on avait une liste de chemins qu'on croyait être capable de faire à l'intérieur de notre budget. Il y a une deuxième carte qui inclut tous les travaux de fossés qu'on prévoit faire et les enlèvements d'accotement, les berm removal, les bords de chemin. La carte était faite avant aujourd'hui. Pour ce qui est le traitement de surface, on a justement fermé la période de soumission aujourd'hui. Donc, on a ouvert les soumissions aujourd'hui. Il reste à évaluer un peu encore les soumissions ou la soumission la plus basse, mais les prix ont monté considérablement de l'année passée. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Il risque fortement qu'on va peut-être être obligé d'ajuster un petit peu là, notre liste là, de chemin à faire là, en traitement de surface. En tout quand vous dites traitement de surface, vous le dites avec le goudron. Là, c'est ça. OK, d'accord. C'est ça. Est-ce que vous pensez que le fait que des prix sont plus élevés, c'est parce qu'on fait, on vend soumission au mois de mai, au lieu d'aller au mois de février? Non, on l'a ouvert cet après-midi à 2h, donc mm-hmm. On n'a pas évalué à fond encore. Ces genres d'items-là sont reliés directement avec le pétrole aussi. Mm-hmm. Je pense qu'on a peut-être
On aurait peut-être dû considérer ça un petit peu plus quand on a mis notre soumission ensemble ou essayé de déterminer quel chemin qu'on pourrait faire. Dans la soumission, le prix de la roche est quasiment pareil à l'année passée. Le seul item qui est considérablement plus cher, c'est le traitement de surface comme tel. Donc, en tout cas, on va évaluer un petit peu plus, mais les prix ont sorti considérablement plus haut qu'on s'attendait. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Les cartes sont déjà faites avant aujourd'hui, mais on risque d'être obligé de réévaluer un petit peu, là, mais en gros, c'est pas mal ça. Ah, juste pour monsieur, une, c'est pour les fossés, les fossés et les burns sur le bord du chemin, c'est puis ça. L'autre, c'est pour mettre la gravelle, c'est ça? Strictement, traitement de surface. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est en rouge, qu'est-ce qu'on anticipait faire cette année? Qu'est-ce qui est en pointillé? C'est qu'est-ce que je pensais peut-être d'être capable de faire, est un item provisionnel dans la soumission. Puis ensuite, en bleu, c'est qu'est-ce qu'on prévoit peut-être faire l'année prochaine. Donc, on a mis un genre de liste de 2 ans sur cette carte-là. Laquelle qui est pour les fossés? C'est celle-là ici? En vert et rose, rouge. C'est marqué en bas dans le coin, madame. Oui, en bas à gauche, oui, c'est écrit. Ah, OK. Le quartier 4, il n'existe plus. Personne Il y a des gens qui existaient avant, puis là, il n'existe plus rien. Pour les fossés? Oui. Oui, bien. Il y a encore le projet de la rue Marquette, Vaudreuil. Ça, c'est encore là, mais c'est un projet unique. C'est un conflit d'intérêt, monsieur. C'est pas moi qui. Ça va de l'avant par. Oui, oui. Okay. La rue Clark, je vois rien dessus. Est-ce que. Je pense qu'on a eu quelques discussions avec M. Simoneau, entre autres. Je pense. Puis, on s'est entendu que physiquement, il n'y aurait peut-être pas de travaux sur le chemin Clark cette année. À cause qu'on a des problèmes d'emprise de chemin. L'emprise de chemin varie extrêmement beaucoup, d'un bord à de l'autre, étroit, large, et il y a des travaux, des nettoyages majeurs à faire côté légal, avant de donner le premier coup de pelle. Moi, j'ai pas de problème avec les joies de la belle qui va être faite, this work, là, ça sera pas un surplus, ça, là, c'est une bonne chose, mais pourquoi qu'on s'en va faire la longue? On ne l'a pas fait une couple d'années passées, la longue? Non, ça fait quelques années. Il n'y a pas une maison là-dessus. C'est flodé au printemps, là. On ne passe pas là. Bien, c'est ça. On va essayer de l'arranger. Ça fait quelques ans qu'on l'a au budget, mais c'est des travaux assez majeurs quand même qu'il y a à faire là. Il n'y a pas juste pas de fossé. Les accotements sont extrêmement hauts, là. Ben, je peux pas envoyer les accotements, mais... Faire les fossés là-dessus, là, où vous allez envoyer l'eau. Au printemps, c'est en dessous de 3 pieds d'eau. C'est pas 5. C'est pareil comme le chemin du lac, là, sur l'autre bord du pont, Maison Neuve. Ouais. Okay. Le chemin du lac, il a été fait à partir de Maison Neuve jusqu'à la Lône. Je ne sais pas combien de fois qu'on a eu une pelle dans ce coin-là. Bien, c'est la pelle, c'est là qu'elle a fini ses dernières journées. On a fait un bord du chemin, on n'a pas fait l'autre bord. Donc, c'est pour ça qu'il y a une ligne juste sur un côté du chemin. On a un côté qu'on n'a pas fait. OK. Je peux rien. Bon, Mme Choignard. Pour la gravelle, vous n'avez pas une carte pour où vous allez ajouter de la gravelle? Oui, ça devient mon collègue Yves. Ça fait partie de la redistribution des tâches. Là, donc, on va passer lui au confessionnal après vous, monsieur. Non, 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 mais c'est une autre liste. C'est une autre liste. Pour moi. Il y a d'autres questions? Une question, monsieur. OK. Yes, Mme Gaudu. I just wanted to make a comment about Chemin Clark. I have had a discussion that we'll be presenting a work plan at the next council meeting regarding that road and the work that needs to be required. And if there's a willingness to follow out the work plan, then conceivably some could be done this year. It will be impossible to do the entire road. Well, if we did the bottom, the cost, that would be a big help, exactly. Because the majority of your houses are there. So I had promised to do this work plan before our little bump in the road had happened, but I will have something ready for you for next council meeting. Okay. Monsieur Roussel, voulez-vous passer au conf... Monsieur Campo? Oui, on voyait pas?
Alors, M. Campeau, la liste qu'on a devant nous, là, c'est les résidents qui nous appellent, voir si on va faire un traitement de surface. On peut les dire oui? Non. Non. Non, pas pour l'instant, là. Ça, ben, ça dépend à quel chemin vous regardez, mais il y en a qui sont plus certains que d'autres. Bouvier. Quelle section de Bouvier est assez long? Là, n'importe quelle question, là. Pardon? N'importe quelle, la section du golfe jusqu'à... Ouais. En ce moment, quand je vous dis, on vient d'ouvrir les soumissions aujourd'hui, puis okay. Il va falloir réaligner un peu nos priorités ou réévaluer la liste qu'il y a en rouge, là, pour le traitement de surface. Ce soir, je ne suis pas en position de dire oui pour un ou non pour l'autre. Le seul, je pense, qu'on peut peut-être dire à 100%, c'est Duquette, à cause que Duquette, il était identifié sur la liste de subventions, le funding qu'on a eu. Il fallait identifier un chemin pour cette subvention-là, puis il était identifié, c'est Duquette qui était rattaché avec ça. Donc, pour avoir les subventions, c'est Duquette qui va avec. Mais le restant, il faut que ça soit réévalué. OK. Une décision sûre est prévue pour quand? Est-ce que je peux répondre... aux résidents qui vont m'envoyer des courriels parce qu'ils attendent juste ça ce soir après la réunion de la semaine passée. Le 15 juin, je pense que c'est raisonnable. Pour la prochaine réunion, on devrait être en mesure de... Merci. On the 15th of June, we're going, after we've looked at the pricing we've received, we'll look at the priorities here. We're going to give you a list that fits within the existing budget. We wanted to provide this to you. This is what Mr. Campo felt he could get done this year with the existing budget. The pricing has come in higher, so we have to pare down the list based on the priorities with the information we have. We wanted to provide you the list tonight so you can look at the plan and see where we're going. So we'll bring back in the report next week a recommended work plan for the 2015 budget and the $456,000, because we have to report back to the counties by June 30th as to what we're doing with the money. Okay, so everything will be decided next week, next meeting. Sorry. Yes, Madame Simard. Mr. Campo, I'm sorry, I was not right here. This is the one for the ditches, right? Yep. Okay, well, here on Chemin Rollin, I was just with a resident not long ago, and she had said part of the road got... Yeah, well, they did the ditch work for a certain portion, but from... A little bit more, between Skiet and Henri, towards Maisonneuve wasn't done. Or towards, I should say, Chemin Saint-Pascal wasn't done. Mm-hmm. I don't see it on the list here, and maybe that should be something that should be finished. I mean, this is the larger sections. There's obviously some other spot sections that need to be addressed. And there's some that are still need to be evaluated. Those were the ones that we were most sure of that we could address and fit it under the budget still. So there are a lot of others, much smaller spot repairs that we need to do. But and that might be one of them. I think it should be looked at because that's the place where we put all the money a few years ago. Okay. When if the ditches aren't made, we're going to lose that road again. And we put a lot of money. There's a membrane and a pile of stone that went on between Skiet and Henri. So it might be worthwhile to look into it. Okay, I'd be curious to have the address and take a look at it. Between Henri and Duquette, at one end especially, halfway up, because they did, Monsieur Poupal did some of the ditches around the The following spring we had done a whole bunch of ditches that year. But it's not finished at the other end. Yeah, okay. I see you got 2015 contribution to CUPI. Is that because we're using the $456,000 there, or are you expecting money from the counties? Because I wish you a lot of luck. No, that's the $456,000. Okay, that's what I want. That's what we thought we could do with the money. Okay. Autre question? Alors, Monsieur Roussel, je crois que vous êtes en demande. Question pour M. Roussel. M. Grimard. Oui, bien, premièrement, votre rapport est vraiment clair au niveau de comment c'est écrit concernant la rue Caron. C'est super. Je pense que comme conseiller, on aime ça avoir ça. Ça évite les questions. J'ai juste besoin d'une petite clarification.
à la page 78 du document électronique Égout rue Morris, pas village Morris, mais la rue Morris. Votre dernière phrase, on sait que l'ébauche est faite, ça fait longtemps que les résidents attendent. Nous aimerions octroyer le contrat à la réunion du 29 juin, si celle-ci est confirmée. Qu'est-ce qui arrive si cette réunion-là n'a pas lieu? Est-ce qu'on a assez de temps, même si on recommence à s'asseoir au mois d'août, pour faire les travaux? Oui, on aurait assez de temps de compléter les travaux, mais naturellement, on serait plus tard dans la saison, où est-ce que les prix de soumission seraient plus élevés, puis là, ça pourrait entraîner des délais et des extras au contrat aussi. Là. Fait que, idéalement, selon notre cédule, idéalement, ça serait pouvoir octroyer le contrat au 29 juin. Juste pour compléter, avec le temps qui nous reste, si on a une réunion le 29, vous croyez être en mesure d'avoir les soumissions de rentrée et d'amener une recommandation au conseil? Avec l'information que j'ai jusqu'à ce soir, oui, à moins qu'il y ait quelque chose qui change dans les prochains jours, mais oui, c'est ça qui est notre cédule. OK, merci. C'est tout ce que j'avais. Autre question? Oui. Les dames premières, monsieur, madame Soignant. C'est juste la question que j'avais posée par rapport pour les chemins, pour la gravelle. Moi, malheureusement, je n'ai pas une belle petite carte comme M. Campeau. Je n'ai pas eu le temps de produire ça. Fait que c'est en principe la liste qui avait été produite dans le rapport à M. Maranda 2 mois passés. Là. OK. Okay, parfait. Mais quelque chose que je dois préciser, par exemple, c'était une liste de chemins potentiels, mais avec le budget que j'ai, M. Campeau, il attend d'une journée à l'autre les rapports géotechniques de chacun des chemins qui va nous dire l'épaisseur de granulaire qu'on doit mettre sur ces chemins-là. Basé là-dessus, avec le budget qu'on a, bien, si je suis obligé de mettre 18 pouces au lieu de 12 pouces, c'est le nombre de kilomètres va raccourcir. Là. Fait que, quand vous dites si vous devez mettre 18 pouces, parce que si jamais c'est des chemins qu'on va faire en 2016, qu'on va recouvrir, c'est pour ça? Bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a fait faire une quarantaine de qu'est-ce qu'on appelle en anglais, des boreholes, des trous là, pour déterminer l'épaisseur de gravier qu'il faut mettre. Pour que les chemins soient prêts à recevoir soit du traitement de surface ou de l'asphalte. OK. Fait qu'on vise toujours ça dans le but parce qu'on c'est sait toujours que ça, l'idée, ça c'est la gravelle, elle se défait. Hein? On sait, après 2 ans, elle est déjà défaite. Le cycle qu'on avait entamé, là, c'était qu'on faisait les berm removal, les fossés. Si on est capable, on met la roche la même année, sinon l'année d'après. Puis l'année suivante, des opérations de roche, là, on vient mettre l'asphalte ou le traitement de surface. On a commencé ainsi. J'espère que quand vous allez faire la roche, on va prendre des camionneurs locaux, monsieur. Pas des pop and whatever tu veux appeler ça, là, les trailers qu'on avait pris à dépasser. Ah, on va poursuivre la procédure. Suggestion, monsieur. Surtout dans un temps où il y avait un peu moins d'ouvrage pour nos camionneurs. C'est eux autres qui payent nos taxes. On va considérer ça. Merci. Autre question, monsieur Lalonde? Seule question, j'avais. On parle de la rue Caron. La piste cyclable, va-t-elle être à l'intérieur ou bien non, sur le côté est de la courbe de béton de la rue? Du côté est, l'autre côté de la bordure. C'est pas un trottoir qui s'en va là? De ce côté, non. C'est du côté ouest, c'est le trottoir. Du côté est, c'est la piste cyclable. Fait qu'il n'y aura rien à l'intérieur des bordures. Donc, la piste cyclable va être plus élevée plus que... Élevée. C'est ça. Ah oui, il n'y a pas un danger à ce temps-là? C'est que la bordure est là pour protéger les voitures de, oui. de traverser, si on veut, là, dépendant à quelle vitesse que tu la prennes. Mais... Bien, plus de danger, c'est la rue Laurier, M. Lalonde, à l'autre bout, là. La petite rue étroite. Mais attends, on a tout. Plus sanitaire. C'est toutes les questions? « 9.2, service d'aménagement. Monsieur Michaud. Oh, Chief Administrative Officer. Excuse. We're going to have the presentation now on the Laurier Sewer. On the what? Laurier Sewer. Okay. Okay. You ready? Okay. Hein? Ben, on peut. Si vous voulez. Je ne pouvais pas te manquer là-dessus. Ouais. Tu auras bien ta chance un jour. C'est vrai, mais je vais le refaire.
Fait que je vais prendre quelques minutes juste pour vous expliquer la situation de l'égout sanitaire sur la rue Laurier. C'est un événement parce que le 4 avril, il y a eu un refoulement d'égout juste en avant du presbytère sur la rue Laurier. À ce moment-là, au mois de, le 4 avril dernier, il y a eu un débordement juste sur la rue Laurier, à l'est de la rue Saint-Jean. On était obligé de rentrer faire des travaux d'urgence pour réparer une section de tuyau, approximativement peut-être une quinzaine de pieds. Le tuyau était en béton, puis on l'a remplacé avec un tuyau en PVC. Depuis ce temps-là, la semaine dernière, on a donné un contrat à une compagnie de venir faire des études, passer une inspection de caméra pour voir vraiment l'état de la conduite, puis sur quelle distance la problématique s'avérait être. Les résultats qu'on a vus nous ont démontré que c'est urgent qu'on aille changer une section du tuyau, principalement remplacer la section de PVC aussi, tant qu'à être là, jusqu'à la rue Edwards, qui est à peu près une distance de 70 mètres, puis peut-être même en direction ouest, un peu plus loin, pour un autre 30 mètres additionnel. Il y a plus loin que ça. Là, jusqu'à la rue Saint-Joseph, nos ingénieurs sont en train d'évaluer l'état de la conduite, à savoir si c'est urgent qu'on la remplace ou si on peut attendre. C'est définitivement qu'il va falloir que ça soit remplacé l'année prochaine, mais si on peut, assez sécuritaire, puis être capable de planifier, de le faire dans un état d'opération normale versus en état d'urgence, bien, c'est beaucoup plus favorable pour la municipalité. Ça, c'est une photo qui vous donne un aperçu de l'état de la conduite. Comme vous voyez voir, vous pouvez voir en bas, y a-t-il un pointeur là-dessus? Ici, une conduite normale en béton, là, ça a peut-être 2 pouces d'épaisseur. Puis si on regarde le top ou la section de tuyau, là, on est peut-être à un quart de pouce d'épais au niveau qu'elle a été avec l'érosion puis les gaz qui se font, là, ça détériore le béton puis les métaux. Ça ne change plus. Battery's dead. La prochaine photo, c'est une photo qui démontre les employés lors du bris en train de remplacer la conduite en PVC. Qu'est-ce qu'on a de complété à ce jour? On a engagé une firme d'ingénieurs pour nous préparer des plans et devis pour aller en soumission. On a suivi notre système d'appel d'offres à commande, qui est notre standing offer. On a rencontré les ingénieurs pour leur expliquer l'état de l'urgence. On leur a donné une copie des disques, des CD de l'évaluation, de la condition des tuyaux. On a avisé les contribuables qui sont directement affectés au niveau du stationnement sur la rue Laurier dans ce secteur-là pour leur dire qu'il n'y aurait pas de stationnement puis que ça serait perturbé jusqu'à temps qu'on aille en réparation de la conduite. Puis on a mis en place, comme vous avez pu voir, comme on a parlé tantôt, un système de baril. C'est juste au niveau de, on veut limiter les charges qui sont mises sur le tuyau juste pour pas qu'il s'effondre. Fait qu'on veut le durer, essayer de conserver l'état du tuyau actuel jusqu'à temps qu'on le remplace. OK. Fait que c'est engagé. Fait qu'on a mis en place un plan de détournement de circulation. L'échéancier du projet, c'est que du 30 mai, fait que dans un délai à peu près de 2 semaines, les ingénieurs vont nous produire des documents de soumission avec des plans et des devis pour aller en soumission. Du 15 au 19, ça va être la période où on va donner l'opportunité aux contracteurs de soumissionner le projet. Puis on vise à avoir la construction du 22 juin au 24, qui donnera peut-être un mois pour avoir... même à un moment donné, on parlait, mais ça serait complété avec, c'est un tranché, on remplace le tuyau, on remplit le tranché, puis on remet de l'asphalte. Fait que ça, c'est l'échéancier qu'on s'est donné pour les travaux, qui est quand même dans une fenêtre très, très rapprochée, très rapide.
Ici, comme vous pouvez voir, c'est un estimé des coûts. Qu'est-ce qu'on appelle un Class C? C'est vraiment préliminaire comme estimé, parce qu'on n'a pas toutes les données encore pour être capable de donner un estimé plus précis. Le 4 avril, la totale de la dépense pour la réparation, c'est 32 000 $. Les caméras qu'on est en train de faire, qui est de Saint-Jean jusqu'à l'avenue John Simoneau, on en regarde à peu près 12 000 $. Puis le plan de location des barils, tout ça, on en regarde à peu près 5 000 $. On estime à peu près à 52 000 $ au niveau des frais d'ingénierie associés à conception, plans et devis et supervision des travaux. Puis un coût de construction de 454 000 pour un coût total de 555 000. Oui, c'est vrai, Hélène, que ça vient de me mentionner. Ça, c'est le coût estimé pour se rendre jusqu'à Edwards. Puis je pense qu'on avait, on avait un 30 mètres additionnel d'inclus à l'intérieur. Plus 30 mètres. Surtout, qu'est-ce qui est la situation à partir d'Edwards en s'en l'est? On est pas mal confiants qu'on va devoir remplacer une section additionnelle d'à peu près une trentaine de mètres. Mais à partir de ce point-là, aller jusqu'à Saint-Joseph, ça va se déterminer là, probablement demain ou après-demain qu'on devra voir. Fait que là, si on doit se rendre jusqu'à Saint-Joseph, bien ça va changer. Ça pourrait, je l'ai calculé tantôt au mètre, là. Ça pourrait être dans l'ordre du coût total. Non, j'ai arrêté à ce... Oh. J'ai arrêté ici à 450. Ça serait 475 000. Donc, on fait l'addition. Fait que c'est à peu près augmenté le projet d'un autre 25 000 $. Ça serait à peu près 575 000, 580 000. On pourrait aller jusqu'à Saint-Joseph, monsieur. Si on va jusqu'à Saint-Joseph. Mais on devrait le savoir d'ici la fin de la semaine. Si on va jusqu'à Saint-Joseph, ça va être proche du million. Jusqu'à Saint-Joseph, non, on augmenterait à peu près d'un autre 25 000. Impossible, monsieur. 30 meters past Saint-Joseph. Jusqu'à 30 mètres de Edward à Saint-Joseph. Non. Qu'est-ce que je dis, c'est que présentement, ça l'inclut 30 mètres dépasser l'intersection d'Edwards et Saint-Joseph. Edwards et Laurier, ça l'inclut 30 mètres passer ça. De ce point-là, qui est à peu près en avant du restaurant, le nouveau burger, si on doit se rendre jusqu'à Saint-Joseph, on rajoute à peu près une trentaine de mille de dollars à ce montant-là. OK. Question? Je me demande, de Saint-Jean jusqu'à l'endroit ce que vous disiez, là, c'est un force main, gars-là. Il y a une gravité et un force. Deux force mains et une gravité. Une gravité qui s'en va vers l'ouest, puis deux force mains qui s'en vont vers l'est. En avant de l'église, il y a la pompe numéro 3, la pompe numéro 2 qui jette dans une chamber en avant de l'église ou du presbytère. À partir de ce point-là, ça se jette dans un gravité qui continue en direction est. À Edwards et Laurier, il y a deux autres pompes, la 4 et la 5, qui s'ajoutent au débit. Qui s'écoule encore en direction ouest. À partir de ce point-là. À partir de Saint-Jean jusqu'en avant d'église, là aussi, il faut le remplacer. Saint-Jean, non. Parce que là, il est force main. À ce point-là, il est force main. Il est un égout sous pression. Un petit peu plus à l'est. Ouais. Jusqu'à on arrive dessus de la côte un peu, là, tu as ce chamber-là où les deux conduites sous pression se jettent dans une conduite par gravité. Ouais. Ouais. Là, à partir de ce point-là, il faut changer les conduites. Okay. C'est les. La partie qu'on avait réparée ce printemps, est-elle assez grosse ou si... Non. Ça, dans les rapports antécédents, ça l'avait indiqué qu'on était plus ou moins à pleine capacité. Fait qu'il faudrait bien proche déterrer ça pour le rechanger, non? Oui. Ça, ils sont en train de déterminer, tant qu'à changer la conduite, de mettre une conduite de bon diamètre. Fait qu'il y a des grosses... Ben, je vous dirais, plus que des grosses possibilités que la section qu'on a remplacée d'urgence, on va la changer avec un plus gros diamètre. OK. Autre question, M. Zan? Est-ce qu'il y a
On avait vu les photos vraiment qui montraient que présentement c'est brisé, puis on voit même des roches. Une fois que ça monte, passer ça, là, puis ça déverse sur terrain, il n'y a pas de danger que ça rentre dans, que ça cause plus de dommages, que ça rentre dans l'eau potable, rien, là, c'est... Comme si... L'eau potable, l'eau potable. Oui, oui, mais je veux dire quand même, des fois, il y a... Faudrait que... Non, c'est si jamais qu'il y aurait un problème, c'est que le danger, par exemple, ça serait si jamais qu'il y aurait un problème dans l'aqueduc puis il y aurait une pression négative. Mais même à ce moment-ci, là, il n'y a pas d'exfiltration de l'égout. Là. Les sections, ce qu'on a vu des roches, à ce point-là, ça ne coule pas à plein. Là. On était à peu près peut-être à 80 % du niveau, on n'est pas loin. Mais il n'y a pas de danger à ce moment-ci au niveau de contamination à l'aqueduc. Mais c'est quand même un risque qu'on doit prévoir, une des raisons de le changer avant qu'il arrive à quelque chose. Autre question? Merci, M. Roussel. Bienvenue. Merci. Et bon travail. Oui, Mme Monaco-Lieu. As we go through the engineering process, we'll keep council apprised of what we learn, because on June 15th, we will bring you a report to formally ask for the funding approval to move ahead with this project. So we'll provide you with as much information as we can ahead. Okay. Service d'aménagement. Question pour Monsieur Michaud. Monsieur Simoneau. Monsieur Michaud, I won't be very long this time. I know we're going to be discussing this matter on Wednesday night, the Verdun subdivision, but I'm going to ask you a question today. If I look at your report, Section 5 discussion, it reads as is, like this. The city received calls from residents in the area inquiring about the time frame of the walkway construction. They were advised by Mr. Verdun that when they bought their properties, that Block 25 was supposed to be a walkway. When we started looking into this file, we realized that the land was owned by the adjacent property owner. Were these owners and the owners in that subdivision advised that about the meeting that was held last month, the planning committee meeting, or even this one tomorrow night, Wednesday night? Were they advised, or we just rely on there's an amendment requested by Mr. Verdun and on the agenda? No, what it speaks to is that when over the course as the subdivision was being developed, we started getting calls from the residents on when this walkway was going to get built. And that's when we found out that the lands hadn't been transferred to the city, the lands had been transferred to the lot owner. So that's why we came forward with a report to council to determine how you wanted us to proceed, whether or not you wanted us to go back to the developer and say, go back to the landowner and get us our land because that's our land, or does council want to just say, okay, well, that area is not the best location for a walkway, and that we'll look at another location at another time, or perhaps putting it in the 2016 budget to find another location. But were they advised of the meeting on Wednesday? No. We didn't speak to any of the residents to advise them of this particular... The previous meeting, they were never advised. The people in that project were never advised that this change was being brought forward, except if they read the agenda of the planning committee meeting. That's correct. We did not involve them. We were getting council's opinion first, and then if you wanted to move on to a different location, then we'd find another location. If you wanted us to go back to this and get the land, then we'd go get the land. The residents already know that that's supposed to be a walkway block, so that now that's it's right, council whether you want they it or not. They don't know that you want to take it away from them. I'm not asking to take it away. The request is, do you want to change it? Okay. Not me. Now, if we don't want to change this, what is the next move? The next move is to have the developer go get the land from the property owner. And we have a $175,000 letter of credit that we still have.
Correct. And that can be used because he's not fulfilling all his requirements. Correct. Thank you. But I think citizens in that subdivision should have been advised that this was being brought forward, definitely. Would there be another piece of land that the developer has that could be used to do that walkway? Mr. Verdon, no. We'd have to either get an access further east through an easement that would follow the creek and be a little bit. Land. It's not his land. The only other option is to go west where Christopher Verdon roadway is and then come up towards Wilson and then connect into the pathway system there. Because I don't see why we'd have to put it in a budget when he's the one supposed to supply that. Well, the other option is to take X amount of dollars out of the letter of credit to go and pay for another location. Okay. Okay. Autre question? C'est tout pour le management. Thank you, Mr. Michaud. Service communautaire. Madame Lefebvre. Donc, vous avez reçu mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Monsieur Zan. Premièrement, un gros merci pour la réunion que vous avez faite concernant le transport en commun. C'était un grand succès. Votre équipe a travaillé très fort, alors merci beaucoup. Je regarde présentement les passes mensuelles. Mm-hmm. On est en direction de peut-être finir l'année à moins que 300 usagers ou peut-être moins que 400 usagers. Non, ça, 400 approche très vite. Est-ce qu'on a un plan en place? Je sais qu'on avait discuté à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a un plan qu'on va mettre en place, on va essayer de renverser qu'est-ce qui se passe présentement? Donc, c'est sûr qu'avec le comité consultatif, on travaille sur un plan. Au niveau, il y a l'InfoCité qui sort début juin. Début juin. Donc, on a fait beaucoup de publicité au niveau de CRT, donc on sait que tout ça va dans les maisons. Chaque résident va en recevoir. Donc, on va faire la promotion du service. Le comité travaille en ce moment, on a une réunion demain soir, sur un projet pour conscientiser les gens sur l'économie de prendre CRT versus l'autobus, versus leur auto. Donc, c'est un des membres, bien, Mme Collier nous l'avait présenté l'année passée. Un des membres a aussi travaillé sur ce même document. On va présenter ça pour ensuite le présenter. On a une autre session d'information le 18 juin avec les utilisateurs de CRT. On va présenter ce même tableau-là pour ensuite le mettre public pour essayer d'encourager les gens de prendre l'autobus versus leur auto. On croit, mais ça, c'est, on va voir après l'été, avec les changements de route et la construction pour le train léger, on anticipe un embouteillage assez sérieux pour les automobilistes, que ça peut-être encourager les gens à prendre CRT, mais ça, c'est l'été qui va nous donner l'indicatif. Mais on sait que la priorité, c'est d'essayer de vendre le service au niveau de l'importance et de l'économie. Madame Foyer. Est-ce que c'est un bon temps de faire la promotion juste avant les vacances, par exemple? Parce que est-ce que les gens vont se souvenir, rendu au mois de septembre, de tous les avantages de prendre CRT? Ou est-ce que ça va leur être ramené pour un rappel? Parce que là, pendant l'été, là, les gens sont orientés sur l'été, sur leur projet d'été et ainsi de suite, le travail au mois de septembre, là, ils veulent le mettre un peu de côté. Alors, je pense que ça serait peut-être plus efficace d'avoir la publicité peut-être rendue à la mi-août, troisième semaine là, du mois de septembre, quand les gens reviennent, se préparent pour l'école, pour le travail, puis la fin des vacances. Autre question? Moi, vous voulez faire la promotion pour la réduction des billets là, pendant l'été? On a cette promotion-là aussi qui est dans l'InfoCité. On en a fait la promotion à notre session d'information de la semaine passée.
On le fait encore le 18 juin et même la vente des billets vont se faire à cette session-là aussi. Autre question? Service de réglementation. Monsieur Livard, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires, Monsieur Livard? Si vous avez des questions, je suis prêt à les répondre. J'ai la don. Oui, j'aurais une question, Monsieur Livard. Lorsqu'on émet une licence à une personne qui veut vendre de porte en porte, est-ce qu'on fait un survey si la compagnie est bien codé par, d'abord, il y a Better Business Bureau, il y en a plusieurs façons, parce que vous êtes certainement au courant des problèmes qu'on a eus la semaine dernière, et puis le 8 janvier, le 8 mai aussi. Le 8 mai, j'ai fait arrêter vraiment l'installation d'une fournaise. Il aura coûté 59 000 $ pour installer une fournaise. Et puis la semaine dernière, le gars qui cognait porte en porte, vous en avez arrêté deux dans la subdivision Morris, et l'autre me montrait une licence qu'il avait obtenue de la ville. Et puis quand j'ai été sur l'Internet, c'est un scam. C'est bien clair, beaucoup, beaucoup de plaintes de cette compagnie-là. Puis il avait un permis de la ville, mais il me disait qu'il finissait au mois de septembre 2015. Il y avait le logo de 2014, par exemple, dessus. Et puis, j'ai pris la photo de son permis parce que quand que je l'ai questionné, ils ont été vendre ça, ces produits-là, c'est 100 piastres par mois qu'ils lousent seulement. 100 piastres par mois à chaque place qu'ils vont pour mettre ce système d'eau-là qui est pour l'eau potable. Et puis, la façon qu'ils font, c'est épouvantable, épouvantable. Et puis, à la radio, ça a sorti de faire bien attention de ne pas répondre à ces personnes-là. Puis, ils mettent tellement de pression. Dans un rien de temps, je ne sais pas combien d'appels, j'étais sur le terrain de golf, 3 appels sur le terrain de golf. Le premier, c'est un gars de la GRC qui a appelé. Ils ont eu de la difficulté à le mettre à la porte. Il ne voulait pas sortir, il voulait descendre dans la cave, aller voir son compteur d'eau. Et puis les autres, bien, ils étaient dans ta subdivision, dans rue Chapman, quand que j'ai posé la question, je veux voir ta licence. Monsieur le maire, pour répondre à la première partie de la question, dans certains cas, on va faire des vérifications. C'est sûr, quand on commence à recevoir des plaintes des citoyens qui sont faites jouer peut-être dedans un échange, à ce moment-là, on va faire des vérifications. Pour la deuxième partie de votre question, malheureusement, je ne peux pas répondre à la question. Elle est sous enquête par le service présentement, alors je suis limité sur les informations que je peux dévoiler dans le moment. Non, la seule chose que je demande, est-ce qu'avant d'émettre le permis, est-ce qu'on vérifie pour voir si la compagnie est fiable ou bien est reconnue? Pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. C'est hautement recommandé. Moi, je recommanderais à M. le maire qu'avant d'émettre des permis à ces pédaleurs-là, que la plupart, ce sont des personnes, c'est un scam, c'est écrit. Quand tu cherches sur le computer, en dessous de Global, avec la compagnie, tu le vois tout de suite qu'il dit que c'est un scam, puis même les employés, ils ont fait des rapports, puis ça a paru dans le Toronto Star. Si je peux peut-être juste rajouter, M. le maire, aussi, c'est sûr qu'on encourage, on a fait des publicités dans le journal, justement, encourager les résidents qui reçoivent des visites des colporteurs. On a une liste disponible de demander pour des permis municipaux, de demander des cartes d'identité. De communiquer avec la municipalité avant de même vouloir regarder au produit pour s'assurer que ces compagnies-là sont bien licenciées avec la municipalité. Puis dans l'éventualité qu'ils ne sont pas, c'est sûr que les agents vont être mobilisés justement pour essayer de les intercepter puis de vérifier les crédentiels de ces compagnies-là. Est-ce qu'on a mis ça dans l'infocité aussi? Je ne suis pas sûr. C'est Mme Chartrand qui s'est occupée de faire. Je sais, ça a été publié tout récemment. Mais on a déjà fait dans le passé aussi. Alors, le fait que les résidents communiquent avec la municipalité, alors on voit quand même que les gens, une partie des gens sont sensibilisés de communiquer avec nous. Maintenant, c'est juste de s'assurer d'être capable de les intercepter. De faire surtout les personnes, celle-là, le premier, 80 ans, la personne qui s'est fait prendre avec ça, ils mettent une pression, puis les menteries qu'ils leur comptent, ça n'a pas de bon sens. J'ai parlé à la compagnie. Mais je pense que ça prend pas plus que 10 minutes, je dis bien 10 minutes,
pour trouver tout le dossier de la compagnie. Je suis d'accord avec vous. Par contre, j'apprécie le commentaire. Puis c'est sûr qu'avec les récents incidents, quand ça va venir à des gens qui font du porte-à-porte, on va apporter une attention particulière. On peut le vérifier facilement sur l'Internet, là, au niveau, là, s'ils sont enregistrés avec cette compagnie-là. Surtout les porte-à-porte. C'est ça. Merci. Il est passé 10h30. Ouais. Voulez-vous continuer ou en j'ai finir? Décidé, là. Oui, j'en finir, oui. Oui. Service d'incendie, M. Sabourin. Mettez l'alarme, ben envoyez fort. Question pour M. Sabourin? D'ailleurs, ça marche avec l'alarme. Mr. Keogh, you seem so eager over there, just waiting to tell us something. Thank you, Mr. Mayor. Just to let you know that it's noted in my report, and it's been noted the last few months, but I'll be happy to say that on June the 15th, we'll have our first financial status report before the council. It'll be quite a detailed report. And at that same meeting on June the 15th, we're going to have a budget guideline report for 2016. So we'll really be able to look at those two things at one time, and I think it will be an important meeting in terms of the budget for 2016. Question, Mr. Simoneau. Mr. Keogh, are we in line to have our financial statements with the accountant presented to us before the end of June? We are still in the process of finalizing. We're at the end of the audit. They've audited our operating expenditures. They are now looking at our capital expenditures, which they've pretty well 85% through it. But the overall at the end of the exercise, they have to do also some cost allocations amongst funds, and that can take some time. So I will be following up with them tomorrow. And I'll let you know June the 15th. The intent was to have it in June. We may not, and that might not be the first time, and it's not the end of the world. We do have to report to the province on our financial information return. They generally like that before the end of June, but we can make exceptions to that rule. I'm looking at your report, page 109 of our document, and within the month, we've recuperated 6.1% of tax arrears, which is phenomenal. It equals $159,000, so hats off to your department. That's in a month. That's a lot of money. I guess my question is, since we've already paid that money to the counties or to, you know, the percentage, where does the rest go? The money is collected by us. We make the payments to the school boards and to the county on regular dates. So whether or not we receive the money from the taxpayer or not, we're making the payments. But if they don't pay their tax accounts on time, we will be charging them interest, and we're the ones that get to accrue that interest. Okay, but that $159,000 was paid, I assume, in 2014? No, it would have been paid in the last month. So since our last month report last month, we've had an improvement of about $115,000 in terms of old tax accounts being paid off. So whatever's left, where is it put? If there's anything left, like interest, let's say. It goes into our general bank account. Should that out? Madam Collier. Sorry, I just wanted to add a little bit to that. We do actually budget an amount for tax revenues that we gain from there, so it falls to our bottom line to start with to help prevent a surplus deficit, but we do actually budget an amount that comes from there. Monsieur Ladon. Une question, Monsieur Keogh. Concernant la dernière réunion, j'ai demandé quelle était l'idée d'avoir payé $158,300 de plus de salaire pour la même période de temps, 20 jours? Si c'est la chance de me rappeler, me dire pourquoi. Monsieur le maire, j'ai répondu par courriel. Par courriel. OK. Pardon? Ben, j'ai...
Oui, mais je l'ai envoyé sur mon courriel. L'hôtel de ville le savent tout. Mon courriel, c'est quoi? On a deux courriels. On a notre courriel personnel, notre courriel de la ville. Moi, j'ai toujours... On peut utiliser les deux, monsieur Lalonde. Monsieur Simoneau, je pose une question. Et puis là, tous les employés de la ville savent que je me sers de mon courriel sur mon téléphone. Oui, mais moi, je me sers de mon courriel de la ville, je me sers de mon c'est courriel tes affaires. Personnel. C'est bien, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on s'en va au service corporatif. Monsieur Simoneau. Bon. Non, il est souvent des larmes. Oui, mais je pense que c'était tout dans le rapport. Excusez-moi, on retourne en arrière un peu. 9.6B, financement avec le CUPR sur le County Municipal Road Transfer Funds. Non. Tu peux l'as proposé, secondé par M. Lavert. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter un règlement autorisant le maire et la greffière à signer une entente avec les comtés unis de Prescott Russell pour obtenir du financement sur le County Municipal Road Transfer Fund à la réunion régulière du 15 juin 2015. C'est ça. Secondé, M. Simoneau. Tout en faveur? Et voilà. Service corporatif. Madame Ouellet. J'ai remarqué en allant sur le site web de la Ville que le candidat Claude Vachon n'a pas soumis son bilan financier pour la dernière élection. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est juste curieux. Ça disparaît ou... juste curieux. Les candidats qui n'ont pas remis leurs états financiers ne sont pas éligibles à poser leur candidature à la prochaine élection municipale. Est-ce que c'est le seul? Non. Non. Je chabote, puis je ne sais pas qui est là. Oui, M. Grimard. Question à votre rapport, Mme Ouellet, à la page, je pense, c'est 137 de notre document. Les projets en cours, Client Services, l'implantation du fameux 311. Ça nous dit en anglais, « This project is somewhat on hold for the time being as we have not yet to find an affordable solution. » Est-ce que vous pourriez me donner un petit peu plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu... on avait une option quand on a mis l'argent au budget. Et puis, on a découvert que c'était vraiment une formule qui se servait... C'était un web-based. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Donc, on a eu quelques représentations. Et puis, dans le moment, on est en train de regarder voir si on ne pourrait pas le faire à l'interne avec notre système de téléphone en place pour au moins répondre à quelques questions automatisées des citoyens. Donc, on est en train de regarder un petit peu cette option-là parce que le vrai 311 est très dispendieux. Donc, ne rentrait pas dans l'enveloppe budgétaire qui est allouée. Alors, vous essayez de faire un compromis entre l'électronique puis avoir un service plus personnel, c'est un grand mot peut-être, là, mais d'être capable de régler ça par téléphone. Oui, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est avoir questions-réponses disponibles en faisant le 1, en faisant le 2, en utilisant notre existing tree, là, qu'on appelle, qu'on serait capable, après les heures de bureau, faire un... comme dire au système, OK, bon, ben on switch à... la prochaine option, fait qu'après les heures de bureau, il y aurait des... OK. Est-ce que vous avez une idée combien de temps ça pourrait prendre d'essayer de trouver cette solution? C'est faisable. C'est juste qu'il va falloir qu'il y ait du staff qui travaille après les heures pour faire tous les enregistrements de texte. OK. Donc, merci. C'est ce que ça comprend. Merci. Autre question? Très bien. Service d'administration... Madame Collier, is that you? It is me over here. Madame Collier. I'll give you time to switch your hat there. Yeah. I was going to bring the other hat with me tonight, but I thought maybe I better not.
Okay. I do not have a report for you this month. Okay. Sorry. Oui, ben, je n'ai pas laissé, madame. C'était juste pour vérifier si tout le monde payait attention. So, madame a déjà accroché. Madame Colliers had a little bit more excitement in her month than she had planned on, so I do not have a written report for you. During the next month, I do plan to return to some strategic planning while managing the works in the infrastructure department and still wearing my CAO hat. So I look forward to meeting the commitments I've already made to you for June 15th and on the 29th of June. Question, Madame Collier? On retourne à 9B, proposition d'une réunion spéciale le 29 juin 2015, que le comité plénier recommande au conseil municipal de fixer une réunion spéciale le 29 juin 2015 afin de traiter les sujets qui ont été discutés le 15 juin 2015 lors de la réunion du comité plénier. Secondaire, M. Zant, tout le monde en faveur? Question? L'avis. Pas de question? Ça fait trois. Do we have a quorum? That's what it is. Il y en a trois qui sont pas ici. Trois, on est correct. OK. Ça, c'est le lundi. Êtes-vous mieux le quoi, le jeudi ou le vendredi? Mercredi, pas le vendredi. Ben, bon, t'es divine. C'est spécial, ça arrive une fois par an. Non, je veux dire de faire cela avant la fin des années. C'est le jour de l'an? C'est le jour de l'an, ça arrive une fois par année. What's the 29th? Is it a Monday? Le 29, c'est un mardi. Le 29, c'est un lundi. Le 22 ou le 23. Le lundi ou le mardi, moi. Tu vois. One of the problems is the ditching contract has not been put out to tender yet, and so we won't have it back in time for June 22nd. Mardi, on the 30th, is it better for you guys? No? Are you okay on the 30th? Well, we got one more. So, Madame Choignard, with the 30th, si tu veux. Hello? Okay, on verra. We should have quorum, so so do it on the 30th. The 30th, c'est correct? C'est bon? Messieurs, le 30th, ça va avec vous autres? Okay. Okay, let's change the date to the 30th instead of the 29th. Secondaire, c'est Monsieur Zant, je crois. Tout le monde en faveur? Merci. Autre item, depuis, je pense. Oui. Monsieur Rivard, il y a un citoyen qui m'a téléphoné ce soir, Monsieur Gagnon, qui dit qu'il vous a demandé la liste pour les propriétaires d'une une section sur le chemin canal. Puis deux mois passés, vous aviez dit qu'il manquait du personnel à ce moment-là. Puis il y a deux semaines passées, vous avez dit que vous lui retourneriez. Alors, il travaille avec une équipe, alors c'est vraiment important qu'il y ait l'information comme cette semaine. C'est possible. Oui, j'ai un de mes agents qui travaille sur ça. Aussi. Super, parfait, merci. M. Sabourin, je crois qu'on va choisir un pompier. Est-ce qu'on va aller à l'interne premier dans nos volontaires pour savoir si. Oui, l'intention, c'est d'aller à l'interne. OK. C'est bon. On va à l'ajournement, hein? 10h54. Trois. Il faudrait qu'elle s'argumente une fois ce soir. Secondaire. Tout le monde en faveur? Merci. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde.